Hola a Benito. Donc voilà, comme vous avez compris avec la petite chanson du début, oh, c'est mon anniversaire. Voilà, aujourd'hui même, le jour où cette vidéo est postée, c'est mon birthday. J'ai donc aujourd'hui 28 ans. Voilà, je ne suis plus toute jeune et j'ai du coup envie de faire cette vidéo déguisée en licorne. Voilà, c'est maintenant mon anniversaire, je fais ce que je veux. Donc j'avais eu plein d'idées comme vidéo pour mon anniversaire à faire et je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de make-up et que de base ma chaîne est quand même une chaîne make-up, donc je me suis dit que j'allais me faire mon make-up de birthday. Voilà. C'est mon make-up du jour, donc j'enlève ma tête de licorne. Mes cheveux sont dans... À 28 ans, je ne sais toujours pas parler, mesdames et messieurs. Mes cheveux ne coopèrent absolument pas en ce moment. Je ne sais plus trop quoi faire. Je me détache un peu pour respirer, je ne me mets pas à poil. Donc, on va commencer par hydrater ma peau, toujours avec l'Hydragenius. Oui, je l'utilise toujours. Ensuite, je vais utiliser les Radiance Drops. Donc, c'est des petites gouttes à la vitamine C et à l'huile d'avocat que j'avais acheté chez Primark. Et que, honnêtement, j'adore. Elles sont super pour hydrater la peau. Ça ne me laisse pas la peau grasse. On va prendre les petites gouttes Bleach London, donc le Galaxy. Celle-là, par contre, j'aime bien parce qu'il y a des paillettes. Donc, elles illuminent le teint directement. Et elles sentent le citron. J'adore l'odeur de celle-là. Maintenant, celles-ci sont un peu plus grasses. Ensuite, je vais utiliser comme base la base teintée de Gigi pour Maybelline. Donc, moi, j'ai la Light to Medium. J'utilise en base parce qu'elle est quand même un peu foncée pour ma peau. Mais du coup, avec le fond à part dessus, ça passe. Et vous allez le voir. Quand même un peu foncé, n'est-ce pas? Mais j'aime bien l'utiliser, voilà. Sous un fond plat, ça donne un petit coup de bronze, comme ça, de bronzage. Que j'aime assez bien, et honnêtement, si j'avais pas des rougeurs si fortes au niveau des joues, je pense que je l'utiliserais même sans fond de teint. Comme fond de teint, je vais utiliser le Remarkable de Marc Jacobs. Ça fait très longtemps que je l'ai plus utilisé. Je pense que la dernière fois, c'était au Nouvel An. Voilà, pour ma vidéo du Nouvel An, et depuis, je l'ai plus utilisé. Comme anti-cerne, j'ai utilisé le Fit Me de Maybelline, qui commence un peu à se vider déjà. Que je mets assez bien, voilà, caché les cernes. Illuminer le dessous de l'œil par la même occasion. J'en mets aussi sur le milieu du front, le long du nez, sur le haut de la bouche et sur le menton. Et avant d'estomper, je vais prendre le Wonder Stick de chez NYX. Je prends juste le côté foncé pour venir me contourer. Donc j'en mets au creux des joues, le haut du front, sous la mâchoire et très légèrement le long du nez. Et bien sûr, on estompe le tout. Alors ensuite, je vais venir fixer tout ça avec la Master Fix de chez Maybelline. Je vais d'abord prendre un plus petit pinceau pour poudrer sous l'œil, pour bien poudrer l'anti-cerne. J'y vais vraiment en tapotant la matière. Et je mets qu'en dessous, je ne poudre jamais mes paupières, puisque je le dis à chaque fois. J'utilise l'anti-cerne ou le fond de teint appliqué sur ma paupière pour, comme base pour mes fards. Ensuite, je vais en appliquer toujours avec ce pinceau-là partout où j'ai mis de l'anti-cerne, en fait. Donc le long de mon nez, donc le haut du front, le long de mon nez, sur le menton. Quand ça c'est fait, je prends un plus gros pinceau à poudre. Je viens poudrer tout mon teint. Comme d'hab, je prends le gros pinceau pour enlever les excès de poudre. Pour bronzer mon teint, je vais utiliser la Master Bronze de Maybelline. Et je vais juste utiliser, généralement j'utilise tous, je vais juste prendre le troisième ici. Et je vais juste venir réchauffer mon teint. Alors, une fois que ceci est fait, n'est-ce pas, nous allons passer aux sourcils. Les sourcils, je vais les faire comme d'hab hors caméra, puisque la vidéo sur comment je fais mes sourcils est disponible. Donc, on va passer aux yeux. Pour ça, je vais prendre la Naughty Palette de Kylie. Et non, je n'ai pas encore commandé la dernière palette de Kylie, la Honey Blue. Quand l'argent coulera à flot, je la commanderai. Je vais prendre le petit fard ici, menthe, que je vais mettre en creux de paupière. Je vais commencer par celui-ci qui est donc un argenté pailleté foncé et en creux de paupière toujours. Ensuite, je vais prendre un pinceau pour estomper tout ça. Je recherche une assistante pour laver mes pinceaux, s'il vous plaît. J'ai un peu la flemme, finalement, de le faire. Surtout que quand je me décide à laver mes pinceaux, c'est quand j'ai pratiquement tous mes pinceaux à laver.
Ensuite, je vais venir prendre cette couleur-ci, donc le gris très foncé qui est sans paillettes, et l'appliquer juste quoi externe de l'œil. Vraiment juste vraiment là le quoi externe. Ramener un petit peu dans le creux, très légèrement jusqu'à peut-être un quart. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau plat. Je vais venir prendre la couleur Snowflake ici, qui est donc un argenté très très clair, et venir appliquer cette couleur en paupière mobile. Prendre mon pinceau estompeur et venir estomper voilà, au niveau du creux de paupière, etc. pour fondre les couleurs ensemble. Je vais venir prendre un petit pinceau, reprendre la couleur Mischief et l'appliquer en ras de cils inférieur. Ensuite, je vais venir prendre l'eyeliner. Pour le moment, j'en utilise deux différents. Je les combine un peu. Je vais commencer avec le... Il n'y a plus rien inscrit dessus. Voilà, tout le nom a disparu. C'est de Maybelline, c'est le Curvitude. Il me semble qu'il s'appelle Curvitude. Et on va finir tracer un joli trait de liner. Je vais le faire, je pense, assez long, assez plus grand que ce que je fais d'habitude. Parce que, encore une fois, c'est mon anniversaire, à chaque fois que je me rends compte que je mettais le miroir devant, donc je ne suis pas mes yeux de voir. On va passer au mascara. Comme mascara, je vais utiliser le Great Lash de Maybelline. Comme blush, j'ai pris du blush, c'est mon anniversaire, j'ai envie de mettre du blush. Je vais prendre la Master Blush de Maybelline et prendre le ça ici, le plus clair, un peu l'espèce de rouge corail, que je vais mélanger un peu avec l'highlighter. Et bien sûr, comme highlight, of course, le Wet Set, ladies and gentlemen. Je vais probablement utiliser le Frostbite et le mélanger un petit peu avec le Sweet Dream. Les survies qui sont plus crémeux, moi j'aime bien les appliquer au doigt. Je préfère les appliquer au doigt qu'au pinceau. Et par contre, le deuxième, lui, je vais l'appliquer au pinceau. Et comme rouge à lèvres, je vais utiliser le Care de Gigi pour Maybelline. C'est un rouge orangé que j'aime de tout mon cœur, de tout mon être. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu pour me le faire savoir. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Partagez la chaîne avec tout le monde pour qu'on soit plein de licornes dans un monde rempli d'amour. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo.